Cut Denise. Das macht übrigens alles vollautomatisch, ne? Komplett. Donc l'intelligence artificielle, ok, a 34 éléments de, ok, d'étude. Dans Cut 34 Währungen schaut die gerade durch. Ja? Die schaut jetzt gerade 34 Währungen. C'est-à-dire, elle est en train d'analyser en même temps 34 devises différentes. Mm-hmm. Jetzt arbeitet sie gerade im AUD-CAD, da arbeitet sie gerade. Okay? Pour l'instant, elle est en train d'analyser le AUD-CAD, Australian Dollar, Canadian Dollar. Und dann zeigt sie dir hier, das sind die besten Einstellungen derzeit, wo die Strategie, mit der Strategie hätte jetzt so und so viel gefühlt. Et après, elle sort qu'est-ce qui sont les meilleurs réglages et combien de profit tu aurais fait avec ces réglages. Also, das kann ich händisch gar nicht mehr machen. Warum ist das neue Programm auf dem Platz eigentlich? En fait, manuellement, personne ne peut faire ça à la vitesse. C'est clair. Ich will jetzt hier in dem Programm nicht rumklicken, weil es gerade am Arbeiten ist. Ich muss gerade nur neu auf. Je vais recharger, je ne veux pas trop cliquer là-dedans parce qu'elle est en train de travailler maintenant, pas que je fais une place. En fait, c'est la même chose, mais ce n'est pas la fenêtre où le travail il est en train de se faire, mais c'est une autre fenêtre. Maintenant, je peux par exemple regarder ça. Hier siehst du jetzt die Werte, hier siehst du die ganzen Symbole, die durchgearbeitet wurden. Là tu vois tous les symboles qui ont été travaillés. Okay, das sind die ganzen Symbole. Und du siehst toutes les paires. Hm? Les paires, ouais. C'est le mot exact, ja. Und das macht jetzt, das ermittelt jetzt das Programm voll automatisiert. Das sucht die perfektesten Einstellungen an der Börse in den letzten 5 Jahren. Und jetzt wird diese Strategie mit diesem einen Event, das ist ein Event, hätte jetzt das quasi gesehen 622 Euro Profit gemacht. En fait, le programme fait ça tout automatisé. Ouais. Il analyse les paires et regarde 10 ans en arrière avec les réglages, avec quels réglages les programmes il aurait travaillé le mieux. Et par exemple, ça c'est juste maintenant un seul événement qu'il a analysé et avec ce seul événement, la stratégie elle aurait fait 600 et quelques, 622%. Also man spricht hier von 100 Euro Einsatz. Et on parle toujours d'une 100 Dollars de Kapital. Ja, merci, non. De Kapital. Das heißt, und jetzt gibt es ja jeden Tag gibt's ja Events. Et chaque jour, il y a des différents événements. Und jetzt baue ich gerade, also diese KI baut jetzt gerade ein Programm, wo, also eine neue Strategie, wo jeden Tag nur sich um die Events gekümmert werden. Et en fait, la KI, elle est en train d'analyser maintenant. Il faut savoir, il y a tous les jours des événements. C'est clair, c'est clair. Elle est en train d'analyser les événements et on va mettre maintenant chaque jour des événements. Il y a une nouvelle stratégie qui va sortir avec tous les jours qui rentrent juste dans les événements. Je vais hier noch was zeigen. Siehst du, hier habe ich dann die ganzen Broker. Und weil die KI arbeitet jetzt mal 30 Mal. Okay? Là, il y a les différents brokers. Pour l'instant, l'intelligence artificielle elle travaille sur Asia Markets. Die KI überprüft dann im Nachhinein, hey, wie wirkt sich dann bei Fondex aus? Die gleiche Einstellung, wie arbeiten die bei Fondex? Et après, elle regarde automatiquement, ouais, j'ai analysé le broker là, maintenant les mêmes réglages, comment ça va être chez l'autre broker. Wenn ich jetzt hier draufklicke bei Fondex, ich zeige das mal, dann ändern sich auch die ganzen Währungspaare, die haben ja ganz andere Symbole, ganz andere Währungen, okay? Il y a tous les paires qui changent un peu parce qu'ils ont aussi des paires différentes. So, was kann denn die Strategie? Die Strategie heißt jetzt SCP. Qu'est-ce qu'elle peut faire cette stratégie? Qu'est-ce qu'elle sait faire cette stratégie? Ça c'est la stratégie avec le nom SCP. Hier gibt es wieder, keine Ahnung, 15 verschiedene Einstellungen der Grundeinstellungen. Il y a du réglage principal, tu as encore une fois 15 ou 16 ou 17.